Vendredi 12 avril 2024, gros bonjour, gros bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans notre journal spécial, ça nous fait en collaboration avec VOA Créole. Mais quel point cap dominé actualité y a? La Chine condamné sommet trilatéral États-Unis était organisé dans Washington qui te gagne la donne Japon et Philippines. Yon l'autre bord, conflit diplomatique entre Équateur et Mexique la continue nan moment gouvernement mexicain pote plainte pour Équateur mandé excuse après force de l'ordre te fin rentrer nan mission diplomatique mexicain nan Quito pour arrêter ancien vice président Oleglas. Dans le pays d'Haïti, publication, installation avec nomination présidentielle là, avec nomination yon premier ministre capable de faire n'importe qui joue. Après yon mois, premier ministre Ariel Henry te annoncé intention pour démissionner. Pendant conseil là, non impasse. Si monsieur vivant sans yo, pas suspend dit que pas gen moun ki capable entrer dans tête palais national sans yo même yo pas connaît et chita non autour de la table. N'a suivre reste reportage yo avec VOA Créole. Donc Philippe Cap salue nous depuis capitale fédérale américaine dans Washington DC, Nouvelle-York. Quelques grands points cap dominant actualité, la Chine condamné sommet trilatéral États-Unis organisé dans Washington avec participation Japon avec Philippines. Conflit diplomatique entre Mexique et Équateur a continué dans le moment gouvernement mexicain a déposé plainte pour Équateur mandé excuse après force de l'ordre t'est rentré dans mission diplomatique mexicaine dans Quito pour arrêter ancien vice-président Jorge Glass. Et bien en Haïti, publication installation avec nomination conseil présidentiel là avec nomination du nouveau premier ministre capable fait n'importe qui joue un mois après premier ministre Ariel Henry a annoncé intention pour le démissionner. Une autre fois encore, nous saluons tout le monde. Nous souhaitons passer déjà un bon week-end en compagnie de la Voix de l'Amérique et nous espérons que vous avez passé toute semaine en bien avec nous et vous allez pouvoir joindre nous encore semaine prochaine pour nous continuer à faire voir ça ensemble. Actualité à Kimbenou, ici de Washington, côté la Chine condamné avec toute force le sommet ou bien encore sommet trilatéral qui déroulé entre États-Unis et Philippines avec Japon, Jacques Nebelizer. Vendredi 12 avril 2024, la Chine critiquait les États-Unis, Japon et Philippines pour sommet trilatéral qui déroulait dans Washington. La Chine rejetait mise en garde Washington, elle défend toute action la menée dans la mer Chine méridionale. Maroning, porte-parole ministère Affaires étrangères pays la Chine a dénoncé sommet à côté li critiqué les États-Unis qui d'après lui entre bouche li bien fond dans affaires la Chine. La Chine campait contre tout comportement qui provoquait et planifiait conflit et qui portait à tête contre sécurité et qui attaquait intérêt l'autre pays. Vraiment vrai, président Biden accueilli dans la Maison Blanche sommet trilatéral ça qui déroulait entre États-Unis, Japon et Philippines en présence premier ministre japonais Fumio Kishida et président philippinien Ferdinand Marcos Jr. Moi remercie nous tous les deux pour être nous là et moi content pour premier sommet ça et à qu'en pile l'autre cap pour fête dans année qui vient là. Facing the complex challenge. Premier ministre japonais Fumio Kishida et président philippinien Ferdinand Marcos Jr. te prend la parole l'un après l'autre pour mettre accent sur coopération à tête ensemble dans moment gain gros tension dans zone Indo-Pacifique là à pression la Chine. Vraiment vrai, yon nan objectif sommet ça, c'est voyer yon message clair by la Chine par rapport à conflit entre Mani et Pékin dans la mer méridionale là. Et dans ce sens, ça, Joe Biden mettait le clé dans le cadre de traité de défense mutuelle entre Mani et Washington, États-Unis a réagi. Si la Chine attaque les Philippines dans la mer méridionale, là, et dossier pression la Chine sous Taïwan, est sous tapis à tout dans le sommet. Dans une visite officielle ça qui était là dans un dîner d'État, premier ministre japonais a déjà dit dans la veille devant le Congrès américain, action militaire la Chine représentait un défi sans pareil. Et il représentait tout, plus gros défi et stratégique, pas seulement pour la paix et la sécurité Japon, mais tout pour toute communauté internationale. Là. Président pays philippinien Ferdinand Marcos Jr., petit garçon ancien dictateur philippinien Ferdinand Marcos, te gen tout yon chita tande bilatéral avec locataire à la Maison Blanche, Joe Biden.
Joe Biden qui bat Alliance Asie-Pacifique en pile importance. C'est ça qui fait que l'été réalisé année passée dans résidence présidentielle Camp David là, il y a un sommet trilatéral entre États-Unis, Japon et Corée du Sud. Premier ministre japonais Fumio Kishida et madame ni Yuko Kushima quitter les États-Unis après visite officielle ça qui était marqué entre autres célébration coopération manche longue entre deux pays. Jacques Lebelizer, VOA Creole. N'a quitté capitale fédérale américaine pour nous aller dans Moyen-Orient côté la misère elle a lancé une autre attaque encore dans le territoire Gaza. Serge François Michel. L'armée Israël touye à coup de zam des Palestiniens. Bonnet, jeudi vendredi, en tout près ville Toubas, dans Cisjordanie. D'après sa quelques médias palestiniens qu'Israéliens rapporté. Nouvelle qui paraît dans la presse dit, yon monsieur pédit la ville, les soldats israéliens t'es ouvert coup de zam sous machine ligne à Toubas. Yon l'autre Palestinien est tombé en babal israélien pendant yon attaque militaire sous camp réfugié Al-Fara au sud Toubas. L'armée Israël n'a pas parlé tout de suite sous nouvelle saillot. Dernière violence sa fête après annonce à hier jeudi de l'armée a été dit qu'un nouveau mesi ak mesi amélioré pour faire aide humanitaire entrer dans Gaza. Entre autres, construction et un nouveau passage à terre dans Nord Gaza. De l'autre côté, États-Unis dit hier jeudi limiter restrictions sous employés en Israël ak famille pour yo pas voyager en dehors zone Tel Aviv, Jérusalem ak Beersheba à cause menace Iran qui dit la tirer revanche sous Israël pour frappe aérien qui était faite 1er avril sous ambassade li non, Damas. Serge François Michel, VOA Creole. N'a pas allé dans le pays d'Haïti, ou bien nouvelle concernant le pays d'Haïti, et bien deux panélistes qui sont participés dans un forum sur Haïti, dans New York, et bien, ils ont eu des opinions sur la participation. Dans le forum, ça, ensemble avec le secrétaire d'État adjoint américain, et américain qui était dans le sommet, ça, nous parlons de New York, côté d'un journaliste, confrère nous, Valérie Saint-Louis. Après forum ça qui était fait sous situation pays d'Haïti qui était organisé par Conseil pour relations étrangères qui c'est une association citoyen américain qui ont même spécialisé dans politique étrangère États-Unis et relations internationales yo côté que assistant secrétaire d'État américain pour affaires hémisphère l'ouest là Brian Nichols s'est participé VOA Creole t'est parlé avec Monique Kleska écrivain journaliste et membre à Comontana nous t'est parlé tout avec Gary Pierre-Pierre journaliste fondateur journal Haitian Times qui ont même tout est fait partie discussion dans forum ça moi-même moi t'ai déçu par prestation monsieur Nichols parce que c'était des petites phrases courtes de Yun Lee côté monsieur Blinken tel tel côté te gen tel bay qui t'est fait te gen tel bay qui t'est fait et pas d'une part d'analyse et deuxièmement pas de responsabilisation de échec politique américaine en Haïti puisque effectivement journaliste te mandé comment faire nous arriver là et est-ce que li pa wè que quand même comment t'a qualifié et situation et manière que États-Unis mène politique étrangère donc li pa fèl donc moi-même moi t'ai déçu par rapport à ça bon moi c'est virer question poser question et point que m'te fait souligner c'est qui sa diaspora capable faire qui rôle nous parce que et pas que on va dire que diaspora va sauver Haïti c'est diaspora capable non loin de là parce que il y a un pile diaspora qui est incompétent OK mais ça compétent ça capable yo pense yo un rôle pour jouer et pour regarder dans quelle façon pour jouer rôle là par exemple Valérie on notion n'a voyé 4 billions de dollars en Haïti par année OK est-ce imaginons ça t'a qu'a fait si 4 billions de dollars ça nous te créé un investment fund OK nous mettons là-dedans et puis comme ça n'a investi en Haïti il y a un projet problème dans qui gagne qu'il y a la diaspora pour organiser nous beaucoup gain capacité c'est un bagage que me pensais que département d'état capable aider nous et construire infrastructure nous département d'état comme si pas ouais que politique yo n'était pas la bonne politique li maintenu que yo tap cherché une solution haïtienne quand effectivement moi-même moi rappelé li que nous-mêmes de Accor Montana nous t'ai proposé c'est nous qui t'ai venu avec expression solution haïtienne et nous t'ai proposé depuis août 2021 donc tout ça pour dire que moi pas croire que politique américaine vraiment changé moi pensais que son échec que le t'ai et me pensais que yo pas paré pour yo apprendre des leçons
du fait que il faut effectivement côté de l'autre voix. Bah ni qu'on s'est dit un bagarre valeur que m'était très rien mais monsieur dit me comme ça bon Gary d'après ça dit Haïti son problème hardware li gen oui parce que software là bon parce que si ça si n'ka accompli tout ça n'a accompli c'est que brain là bon donc on a là nous besoin capacité nous besoin structure infrastructure pour capable fonctionner parce que là nous gen infrastructure là nous fonctionner pas mal nous montrer dans pays étrangers. Situation pays d'Haïti a cap dégénéré attiré attention en pile monde et notamment communauté internationale là. C'est comme ça que plusieurs forums, réunions, webinars, ak chita pale a fait de temps en temps sous cas pays d'Haïti avec des haïtiens soit qui vivent à l'étranger ou bien en dedans pays. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis depuis New York. Nous parler dans pays d'Haïti, il y a possibilité pour arrêter cap nommer et puis installer et conseil présidentiel là capable publier n'importe qui jour mais capable faire n'importe qui jour et arrêter ça une fois que le fait n'est pas débouché sur choix du nouveau premier ministre Yves Manuel. Selon une source nous capable faire confiance, arrêter qui nommer membre conseil présidentiel yo a bien pour publier avant longtemps dans journal officiel Le Moniteur. Conseil ministériel approuvé mercredi soir projet décret qui gain pour la création et fonctionnement conseil là. Document ça selon dernière information yo aljoigne jeudi soir presse nationale pour publication. Conseil ministériel passé main dans plusieurs points dans projet décret qui gain pour la création et fonctionnement conseil présidentiel là avant approbation document ça dans publication officielle. Selon un membre dans gouvernement démissionnaire, conseil ministériel pas prononcé sur accord politique qui signé entre parti qui engagé dans cadre mise en place conseil présidentiel là. Il revient à membre conseil présidentiel yo pour publier document après nomination yo. Nomination et installation membre conseil présidentiel là ta doué prochaine étape là. Toujours est-il pourquoi grand ken date qui arrêté pour étape ça franchi. Analyste politique yo estime conseil ministériel à conseil présidentiel là ta doit travailler main en main pendant yon ou deux mois avant formation prochain gouvernement ak choix yon premier ministre qui donc deux entités yo obligé composer après nomination membre conseil présidentiel yo yon bon petit temps ka prend pour installation yo à cause insécurité an, qui doit résoudre pour faciliter travail conseiller présidentiel yo. Après annonce démission premier ministre Ariel Henry à gouvernement là dans date 11 mars qui s'est passé là en pile monde té espéré mise en place pressé conseil présidentiel là un mois après conseil présidentiel là toujours pour qu'on mette en place prochain gouvernement toujours pour qu'on nommer alors que gouvernement démissionnaire continuer à liquider les affaires courantes. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Il faut dire que le conseil-là, lui-même, il y a 9 membres, il y a 7 membres qui ont droit de vote, et puis il y a 2 autres qui sont eux-mêmes qui sont observateurs. Dans le nouvel conseil-là, eh bien, réaction toujours département, il y a un secteur qui est d'accord à ce que le conseil-là dirige le pays pendant et jusqu'à ce qu'il vienne l'élection. Et il y a un autre groupe qui voulait pour que c'est dans la cassation pour y chercher le président qui peut diriger le pays pendant 2 prochaines années. Renan Toussaint. Certains dirigeants organisations sociopolitiques en Haïti, parmi eux, Jacques Gary, qui est représentant communauté 100% diaspora dans le pays, avec Léonard Jean Renalno, qui lui-même c'est responsable CRI national, avec plusieurs autres, by opinion par rapport à l'avancement qui gagne dans le processus pour mettre campé conseil présidentiel transition, côté gouvernement démissionnaire Ariel Henry, réussissé à transférer dans la presse nationale pour publication dans le journal officiel d'État, Les Moniteurs, décret, création et organisation conseil présidentiel, là, y compris arrêté qui nommait 9 membres, équipe collégiale. Il faut aller avec eux dans Le Moniteur pour que vous dites nommer. Jusqu'à présent, ce n'est pas clair. Et est-ce que je dis à nous dire demain ou bien dimanche, lundi, vous avez ça? Non. Donc c'est une raison nous-mêmes. Et l'équipe du Philippe là, nous connaissons tous, c'est pour l'équipe qui sait. Et il y a un peu de monde qui te connaît, un peu de monde qui pense qu'il y a une possibilité pour que vous ayez installé tête dans le palais national. Oui. Pour qui ça? Et parce que j'en nous dis, quel que soit Jean-Lia, nous sommes obligés d'accepter ce mal-là en passant pour que nous allions au souffle. Je dis, si vous êtes au cap, vous n'avez pas au cap. Si vous êtes dans le sud,
Jacques Mel, ne peut pas aller. Je dis pas aller. Je dis sont malades. On va y l'hôpital pour aller. Je dis pays a fait trop de temps, il pas un président, il pas un gouvernement parce que si nous avons une chance, nous ne sac pas bon, nous avons installé le plus possible. Même si c'est pour quelques mois, pour quelques jours, nous peut aller au sous. Nous parlons des conseils des ministres qui veulent ça quelque pour le voyer. Qui conseil des ministres qui va parler? Je dis à nous pas quoi, nous avons un pays qui n'a aucune institution qui a fonctionné. Tout ça qu'il a, toutes ces des institutions de malfoi, des institutions qui sont corrompues, qui sont au profit des populations haïtiennes. Et nous, pour jouer aujourd'hui, la bataille qui a fait là, n'est pas fait, pas une bataille qui a fait pour la population, et pas une bataille qui a fait pour la jeunesse, mais c'est une bataille qui a fait pour la diaspora. Son bataille qu'a fait pour le groupe, son bataille qu'a fait pour le monde qui mette dans l'état ça depuis 36 années. Un dossier n'a pas suivi. Renan Toussaint pour VOA Creole, Port-au-Prince. Et bien, dans l'autre point de l'actualité, ancien Premier ministre Evans Paul, qui était un avocat Lavelle, et bien, il a répondu à une question. Juge cap instruit dossier Centre National Équipement. Une image qui était faite dans le dossier CNE. Et puis, normalement, son citoyen, depuis la justice m'a découvert là. Mais malheureusement, on ne bat jamais recevoir aucune invitation. C'est dans les réseaux sociaux que j'ai entendu une invitation. Après ça, il tourne en arrestation. On va aller faire un bon tapage pour rien. Non, ambiance que moi, l'arrimage judiciaire. Mais je vous dis, moi je recevais une invitation formelle. Moi je fais le devoir en tant que citoyen bien devant le juge là. Donc je dis là où tu réponds à une question du juge, mais là, bah, qui titre? Le témoin. Ok. À titre de témoin, qui ça, Premier ministre et Evans Paul, t'a gagné pour avec question matérielle CNU pour prendre l'administration de comme étant Premier ministre puis t'a invité devant la justice? Rien. Rien. Normalement, je dois inviter n'importe qui pour témoigner. Et soit pour avoir une explication, soit pour aider le juge à comprendre un aspect dans le dossier. Parce que ça, pour les téléspectateurs, vous comprenez. L'administration publique, là, c'est escalier. Là. Chaque monde a un rôle. Le Premier ministre, là, c'est responsable du gouvernement. Mais il y a un principe qui est hiérarchie dans le fonctionnement de l'État. CNE pas dépendre de Premier ministre. Je ne pas droit de le directeur CNE pour me passer l'ordre directement. Si je n'ai pas besoin de la CNE, il faut me passer par le ministre des Travaux publics, qui est le ministre tutelle CNE. Moi-même, je n'ai pas aucune occasion pendant le là. Je n'ai pas traité aucun dossier qui était un rapport avec CNE. Bon, on va même songer jusqu'à présent, on va monter le local CNE. Non, on a le programme de l'actualité, on a râlé dans l'Amérique latine, côté Mexique, mandé Nations Unies pour les suspendre Équateur dans l'organisation internationale là, après force de l'ordre dans l'Équateur. T'es fait un descente de l'île dans l'ambassade mexicaine, dans la capitale la Quito. Où yon est descendu le que Mexique condamné et qui force il camper sur relations diplomatiques avec Équateur. Sandra Lemaire. Président mexicain a déclaré jeudi pays li mandé pour Nations Unies suspendre Équateur comme membre organisation mondiale là. Quienes resulten afectados que puedan acudir a la corte y que la corte de conformidad con la Carta de Naciones Unidas, resuelva. Les pays affectés ont été capables d'aller devant quoi et puis quoi, en accord avec chaque ONU, ont été approuvé expulsion et pas ont été option pour poser veto pour bloquer. Demande ça fait partie plainte Mexique potée bon côté l'ONU après des centres de liés la police Équateur t'est fait contre ambassade Mexique dans Quito semaine passée. À. Tension entre Mexique et Équateur augmentée 17 hauteur depuis fin semaine passée, hein? L'autorité équatorienne a été forcée à entrer dans mission diplomatique là pour arrêter ancien vice-président équatorien Jorge Glass qui demandait asile au Mexique. Mexique voyait plainte
lundi, by Cour international la justice dans la Haye, côté Limandeyo suspende Équateur. Cependant, un porte-parole ONU dans New York déclaré c'est pays membre qui va gagner pour décider si yo doit suspendre un pays membre. Président Andrés Manuel López Obrador te babié pour Équateur pendant une conférence pour la presse dans Mexico City. Lo que nos importa mucho es la no repetición. Ils savent qui est vraiment important pour nous, c'est assurer attaque ça pas répéter et puis dénoncer offense contre Mexique là avec diplomate Leo. Ministre Affaires étrangères Équateur Gabriela Summerfield déclaré pays li pral défendre action l'opposée et yo pas envisagé pour kounia présenter aucune excuse by Mexique. Pays yo a gomé pour causer glace là que la justice condamnée et qui courit pour li pas prendre prison depuis li té al chercher refuge dans ambassade Mexique là dans mois décembre 2023. Équateur plein pour dire yo ciblé glace pour crime li commettre pas pour raison politique et que Mexique pas ta doué considérer accorder monsieur asile. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington. Dans une autre nouvelle, eh bien, la Chine évacue citoyens qui étaient cap vivre dans le pays d'Haïti à cause de crise là en Alaska plus près. Ambassade chinoise en République dominicaine, Chen Luning, était présent dans Himani pour accueillir jeudi passé 27 citoyens chinois, ministre des Affaires étrangères pays, avec le gouvernement dominicain aidé évacuer soutien en Haïti. Chen Ho, le 3 juillet 22, et aujourd'hui, aidé 2 共 50 多名. Ça fait 2 convois pour un total 50 citoyens nous évacuer sortis dans la capitale haïtienne dans Port-au-Prince pour rentrer en République dominicaine 22 mars avec jeudi. Prochaine étape là, c'est aider aux joindre côté pour y dormir avant de retourner en Chine. Évacuation ça fait dans un moment violence gang a augmenté dans la capitale la Port-au-Prince. Wang Fuxing, un évacué, parlait pour dire moins content. Il était difficile pour nous arriver là, mais il y a eu un pile de monde qui aidait pendant tout le parcours là, tant qu'au pays avec personnel ambassade là, moins passé un mois en dedans car moins pas capable sorti. Il y a d'autres pays qui déjà évacué citoyens en Haïti. États-Unis, Canada, la France, la République dominicaine, pour ne citer ça seulement. I'm very grateful to the Chinese government. José Lito, un citoyen philippin, dit qu'il est très reconnaissant pour l'assistance du gouvernement chinois à Bali, moins reconnaissant pour les amis chinois Myoto. Pour évacuer, monter à bord d'autobus, c'est déjà un soulagement avec sécurité. Chen Tou Café, yon lot citoyen chinois, parle vous dit, moi pi content toujours à cause ma retourner dans pays en Chine. Moi reconnaissant envers gouvernement chinois, République dominicaine, gouvernement haïtien, semble en pilote héros qui te supporté même les non pas qu'on est pi fort parmi eux. D'après l'Organisation internationale de migration, sorti 8 pour arriver 29 mars, il y a plus de 50 000 personnes qui courent quitter Caillou dans la capitale de Port-au-Prince pour aller chercher refuge de l'autre côté. Nous pour aller dans la ville Saint-Marc, côté programme humanitaire sous condition de l'administration Biden lancé depuis janvier 2023, et bien programme ça a un impact négatif sur plusieurs secteurs dans le pays d'Haïti, tant que le secteur de la santé. Junior Hassine a fait un coup de pour nous dans l'hôpital dans la ville Saint-Marc. Programme humanitaire que l'administration Biden a mis sous pied depuis 8 janvier 2023 passé a fait gros impact sur l'administration l'hôpital Saint-Nicolas Saint-Maclar. Plus passé 30 à 40% employés partis quitter pays dans quatre programmes si là. Programme Biden n'a pas sans conséquence sur fonctionnement l'hôpital Saint-Nicolas Saint-Maclar. Directeur médical l'hôpital là, Dr. Franz Alexis, t'es réagi comme ça. Programme Biden n'a pas sans conséquence sur l'hôpital là parce que nous perdu en pile employés qui déjà quitté l'hôpital là pour aller dans le programme ça. Donc, disons, quantité de personnel que nous avons réduit considérablement. Donc, nous avons un processus de remplacement de médecins avec ZL, pour les gens qui allaient, mais qui ont des gens pour
pratiquement qui doivent avoir en masse. D'après le directeur médical, l'institution a fait face à gros difficultés pour joindre médicaments à cause de gang armé qui occupait la route nationale numéro 1. Nous avons un contexte socio-politico-économique qui est difficile et qui passe sans conséquence sur le bon fonctionnement de l'hôpital. Là, nous considérons que la route généralement est bloquée. Or, pour l'hôpital approvisionné en étrant, disons, médicaments et tout le matériel qu'on a besoin pour faire fonctionner, généralement, c'est encore plus que les médicaments ça ressorti. Donc, les routes sont bloquées, ça veut dire que nous n'avons pas besoin de médicaments, donc nous sommes obligés de faire des achats locaux et achats ça. Donc, nous n'avons pas satisfait tous les besoins de l'hôpital. Ça veut dire que, à ce moment, nous avons une rupture. Conseil de médicaments et d'autres intrants qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l'hôpital. L'hôpital a fonctionné 24 heures sur 24, malgré a fait face à gros difficultés dans les derniers jours. Métropole, Bazatibonite-Saint-Marc, Junior Racine, La Voix de l'Amérique. Nous recevons d'être en tandem avec Serge Rodriguez dans Washington et Jude Dancier dans Floride. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans l'actualité culturelle. Semaine ça sous VOA Creole. Je vous dis à parler du décès. Yon célèbre footballeur épaule carrée américain qui mourit mercredi 10 avril. Et puis tout nous pourrons passer le microphone dans by Jude Onseré pour nouvelle sur Etienne Maïla dans Miami. Ancien footballeur épaule carrée noire américain O.J. Simpson mourit mercredi 10 avril là après un combat avec maladie cancer. Qui est O.J. Simpson exactement et surtout qui ça l'était représenté dans la culture états-unien? Eh bien, c'était un personnage que mon pas de cas ignoré et que la justice t'a acquitté en 1995 comme non coupable dans la mort ancien madame Ariely. Verdict s'il a été provoqué gros palais en pile, il était tombé dans la société états-unien comme un coup de l'oreille dans un ciel paisible. Malgré l'été échappé sans un grafouillet dans un jugement pour assassinat madame américaine Blanche Nicole Brown Simpson, la ville était commencé à tomber en dégraba et il pas jamais capable de retourner dans place premier superstar noir ici aux États-Unis. Oriental James Simpson, c'est un complet ancien footballeur de Paul Carrière, et bien il était fait dans la ville San Francisco le 9 juillet 1947. Maman était élevé sans papa parce que papa était abandonné, elle était gagné l'âge 5 ans seulement. Il était un petit genre rachitique dans la période d'enfance, li, mais ça n'a pas empêché de tourner un athlète, ça qui te permet de réaliser une carrière brillante dans la Ligue football de Paul Carrière qui donc NFL États-Unis. Il était pris en trop fait joueur de l'année en 1973 dans l'époque qu'il a joué dans l'équipe Buffalo Bills. C'est un homme qui était séduisant, charismatique qui a été bâti dans le joueur de Juice qui donc joue en créole à cause initiale OJA qui s'est abrégé pour Orange Juice en anglais. Avant même de quitter carrière football américain, il était entré dans l'industrie cinéma Hollywood là, et spécialement dans la série film cinéma Racine qui donc route qui était paraît en 1977. Présence naturelle sous écran a été mené lui dans une carrière commentateur sportif. Il était marié avec Nicole Brown en 1985 dans deuxième noce et d'amener t'a fait deux petites poulets. Assassinat madame Marilia a été venu replacer lui en bas lumière actualité comme principal suspect dans sa monde était considéré comme procès qui était plus spectaculaire et qui était allé plus monde dans 20e siècle là ici aux États-Unis. Et qu'on y a un moment arrivé pour nous passer qu'on dans bas Jude Onseré qui va dire nous tout ça qui a passé dans Etienne là dans Miami et à Floride. Jude, vous avez la parole. Athlète Saint-Fleur, alias Flav, chanteur groupe Gabel, fait qu'on est premier album solo li a bien passé. Mais ça va vous dire pour autant que li y a un plan pour quitter Gabel pour une carrière solo. Gabel son jazz qu'on parlait et le bas son album chanté maybe 4 à 5 musiques. Li difficile comme si pour me proposer des nouveaux tendances, des nouveaux bagages. Peut-être que je vais faire un bagage qui est différent sur l'album. Mais album solo, pas maintenant, j'ai toute liberté, je fais tout semble sur l'album. Moi, j'ai toujours joué dans Gabel, mais j'ai toujours joué des projets solo. Les gens ont un album, un EP, mais j'ai toujours lagué des nouveaux bagages. L'autre nouvelle pour journée aujourd'hui, Mackenzie Talon, alias Magdi, chanteur groupe musical Harmony, qui t'a performé en solo dans Hollywood et à Floride semaine passée, manifesté en pile qui est cassé pour Jean Business musique haïtienne a évolué dans le moment. Business là, j'en down, parce que j'aime toujours dire, quand Haïti va mal, et Chemaï va mal. C'est-à-dire que on va forcer. Et notre travail, son album, et ma garde de musique Harmony qui est là aujourd'hui dans le studio, avec Maïso, Nickenson Poudom, je ne voulais pas aller au dehors, je ne voulais pas sortir un album parce que je ne voulais pas paraître inaperçu. Pour tout ce qui a passé dans le business musique haïtienne dans l'État Floride, non pas, c'est Jude Onseré. Merci infiniment, Jude Onseré, pour nouvelles souvenirs. Moi, c'est Sergio Rodriguez. Eh bien, un bon rendez-vous encore pour la semaine prochaine pour l'autre nouvelle qui a passé par une vidéo avec Etienne Maïla. Je vous dis, c'est vendredi, c'est week-end, je dis, c'est 12 avril. Donc, si le week-end pour la commencer, eh bien commencer, et songez pour retourner venir nous. Soit conduire, mes amis, pas consommer alcool. Et si vous consommez alcool,
pas conduit parce que nous besoin retourner pinche la vente avec passer une bonne semaine. Nous t'es déjà avec nous là, pour passer un bon week-end ensemble avec la Voix d'Amérique. Merci en pile tout le monde. Merci gentil Augustin et Jean-Marc Abela, Sandra et puis collègue moi, camarade moi, Valérie Saint-Louis et Jacqueline Bélizère. Bon week-end tout le monde.